Salut tout le monde, c'est Scola. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, tout simplement pour vous présenter un nouveau mode menu, donc le mode menu Crypt. Voilà, je sais pas si je le prononce bien, en tout cas, il s'appelle comme ça. Donc voilà, c'est un tout nouveau. Bon, évidemment, on peut se faire ban déjà parce que c'est un mode menu et en plus, il est free. Donc voilà, je tiens quand même à prévenir parce qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent de se faire ban, mais bon, vous savez très bien qu'un menu c'est risqué, donc voilà, faut pas venir se plaindre. Enfin voilà, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à liker, on tente les 50 likes comme d'habitude. Le Discord. Et tout simplement bah, en description, voilà, on est 557, c'est vraiment super plaisir. N'hésitez pas à le rejoindre, ça parle et tout. Et voilà, c'est cool. Donc voilà, on commence tout de suite pour la vidéo. Donc, déjà en lien, enfin, le premier lien, il y aura tout simplement bah, un lien, vous allez dessus. Là, vous arriverez ici, vous devrez faire cliquer ici. Là, il y aura un cadenas, en fait, vous serez obligé de vous abonner à ma chaîne. Après, si vous voulez pas rester abonné, hein, vous désabonnez direct. Hein. C'est juste comme ça. Enfin, c'est parce qu'il y en a, ils pensent pas à s'abonner. Comme ça, s'il y en a, ils veulent tout le temps des mondes menus, parce que regardez, je présente tout le temps des mondes menus. Je présente que ça en fait. Ben voilà. Et bientôt il y aura des glitches d'argent, vous inquiétez pas. En tout cas, voilà. Vous abonnez. Bon, moi, ça. Comme moi, il n'y a pas le cadenas parce que ça détecte que c'est ma chaîne. Du coup, après, vous ferez cliquer ici, le cadenas il sera enlevé. Vous arriverez tout de suite sur un lien méga. Mais avant de le télécharger, ça va vous détecter comme un virus parce qu'un mode menu ça modifie les fichiers de votre jeu. Et voilà. Donc là, vous allez marquer Windows Defender pour désactiver votre antivirus. Et vous allez tomber sur Sécurité Windows. Vous allez dessus, vous allez dans la première case. Vous faites gérer les paramètres et là vous désactivez la première case comme moi. Et donc voilà, ça, sinon ça va vous le supprimer direct et ça c'est chiant. Donc là on télécharge vraiment, bah, c'est hyper rapide hein, tout simplement. Là, ça nous met ça. Donc ce fichier n'étant pas souvent téléchargé, il peut présenter un danger. Évidemment non, vous faites conserver quand même. Regardez tous les monuments du G, j'ai vraiment un PC de merde pour ceux qui savent. J'ai un Intel Core i3 et tout et regardez, j'ai jamais eu un virus à cause des monuments. Voilà, là je fais remplacer parce qu'il y était déjà. Donc ça, on peut tout simplement le supprimer. Là, tout simplement, ah oui, il faut WinRAR pour l'ouvrir. Donc WinRAR, je mets tout simplement le lien en description. Voilà, vous arriverez sur le site, vous ferez télécharger. Après, vous referez télécharger sur le bouton vert, enfin le bouton bleu, pardon, et là vous l'aurez. Après, je vais pas vous expliquer comment installer WinRAR, hein, c'est simple. Vous faites exécuter, etc. Donc là, une fois que vous ouvrez le fichier, vous avez un premier fichier, vous le mettez ici. Ça, vous pouvez fermer. Ça limite, on peut carrément le supprimer, vous pouvez faire comme vous voulez, mais moi je les supprime, je les garde plus, ça prend trop de place pour rien. Là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez double-cliquer sur le fichier. Là, ça nous met qu'il faut mettre le dossier Crypt2 ici, donc on va le faire simplement. Crypt2, on le met ici, et là, on se retrouve quand le jeu est lancé. Donc là, le jeu, une fois qu'il est bien lancé, comme moi, tout simplement, vous allez retourner sur le fichier, tout simplement. Vous allez double-cliquer sur Xeno64, là, vous faites oui. Donc là, vous avez vu un écran noir, mais vous devez refaire oui. Là, vous allez dans le process, vous allez chercher GTA5.exe. C'est pour ça qu'il faut bien lancer le jeu, sinon, vous n'allez pas le trouver, tout simplement. Là, vous allez dans le fichier, vous reprenez le crypt.dll. Donc, tout ce qui finit par DLL, c'est les mots de menu. Là, vous faites inject. Voilà, là, il est injecté. Moi, je vous laisse en musique, en accéléré, pour vous présenter le mode menu. C'était Scola. Allez, ciao. Je me sens, on dirait que je m'en sors. Ils
Ils veulent tous devenir mes potes depuis que j'ai touché 200 000 fous syriens.